J'ai connu Marocabonne, c'était au début des années 80, précisément 1983. Et j'étais au lycée, et il était mon enseignant, mon professeur d'histoire et philosophie. Et je ne savais rien de la philosophie, peut-être seulement la formule du langage ordinaire, prendre la vie avec philosophie. Donc cette rencontre a signifié pour moi, je peux dire, une véritable découverte. I first met Professor Mauro Carbone in Seattle, in the US, Seattle, Washington, on the West Coast, in 1997. It was the annual fall conference of the International Merleau-Ponty Circle. At the first reception, he introduced himself to me and presented me with his most recent book on aesthetics. Then we also had a nice elevator ride and became more friendly. J'ai bien sûr d'abord entendu parler de son travail, voilà, comme un étudiant qui, forcément, s'intéressant à Merleau-Ponty, rencontrait le travail del maestro. Mais ce qui est toujours un peu impressionnant pour un étudiant qui commence à s'engager dans une thèse, l'étudiant a un petit peu en lui l'illusion que les grands maîtres ont le savoir absolu, qu'ils sont dans la lumière, tandis que nous, pauvres larves, on attend de sortir enfin de la caverne. Et ce qui est extraordinaire quand on rencontre Mauro, c'est que justement, on apprend un peu plus ce que c'est que la philosophie, à savoir que justement, ce n'est ni le savoir absolu, ni la pleine lumière. En fait, j'ai pensé à ma première fois dans cette salle. Je suis arrivé, les cours étaient déjà commencés, j'étais en retard comme d'habitude. Et là, je suis monté un peu en cachette et j'entendais un prof qui parlait de portable, qui parlait du syndrome de téléphone portable, ouais, du syndrome de BlackBerry Phantom. Moi je me disais bon, peut-être je me suis trompé, peut-être c'est pas la bonne salle, peut-être il est pas un professeur d'esthétique. Moi je m'attendais à un discours, un cours sur l'esthétique contemporaine, donc je sais pas, quelqu'un qui parlait d'art, quelqu'un qui parlait du beau peut-être. Moi j'étais un très jeune étudiant et par contre j'entendais un professeur qui parlait des portables, des choses très actuelles et très peu philosophiques on peut dire. Apparemment. Très concret. Mantoue, ville, petite ville de la Renaissance italienne où Virgile est né, petite ville des ducs Gonzaga, pour moi, quand j'étais tout jeune, était la ville de laquelle je voulais partir. De laquelle je voulais échapper. Parce que j'avais l'impression que pour rester à Mantoue, il fallait accepter de rester dans un horizon qui était, du point de vue culturel, l'horizon de Virgile et de Gonzague. Et donc partir de la province pour aller ailleurs.
Allora Mauro, io come ho spiegato prima ho raccontato che ho fatto filosofia perché ho conosciuto te. Ma tu perché hai fatto filosofia? Ma sai, era un'epoca abbastanza strana, abbastanza paradossale. E solo in un'epoca come quella si può spiegare il fatto che tante persone della mia generazione abbiano fatto filosofia per cambiare quella che era l'identità della filosofia, quale si era consolidata nel corso della storia del pensiero occidentale. Si faceva filosofia per distruggere la filosofia come filosofia separata e quindi cercare di costruire una separata dalla vita, intendi. Dalla vita, certo. E quindi costruire una filosofia che vivesse continuamente in un rapporto di scambio reciproco con la vita. E direi che questa è un'esigenza che a me è rimasta fondamentale e che forse è alla base del mio fare filosofia anche adesso. Quello che mi interessa è appunto trovare nella filosofia magari qualche strumento che serva a capire l'esperienza del mondo, degli altri e delle cose che facciamo quotidianamente, e quello che mi interessa, se vuoi, di questa esperienza è come possa servire a cambiare o a confermare il senso di alcune domande che la filosofia si è fatta. Ce qui m'est frappé de la méthode de l'enseignement de Marot, c'était une sorte de mélange, de cocktail entre rigueur d'une part et ironie de l'autre. Il avait une capacité de communiquer les problèmes complexes de la philosophie grecque ancienne dans une manière comme s'il s'agissait d'un jeu. Il a répété volontiers cette formule « Maintenant on joue à l'école ». Et c'était une chose qui énervait beaucoup les directeurs du lycée qu'il avait entendu derrière une porte. Mais quelques heures avec Marot dans la classe étaient suffisantes pour comprendre que ce jeu était pour lui une chose très sérieuse. Moi, je n'avais pas étudié à Milan. Je suis arrivé à Milan après mon doctorat en Belgique, après une dizaine d'années en tant qu'enseignant au lycée, où on s'est rencontrés. Et donc, je suis arrivé à Milan dans cette université que je ne connaissais pas du tout, dans une ville que je ne connaissais pas du tout. Et je dois dire que pour moi, la ville a été toujours le milieu de cette université, les alentours de cette université, où j'ai enseigné pendant 16 ans.
Mais est-ce qu'il y a une sorte de Madeleine aussi au-delà de la cuisine pour ce qui concerne ton rapport avec Milan quand tu reviens ici? Ah, c'est une très belle Madeleine question. Madeleine recréée, produite dans la mémoire. Je pourrais te répondre comme ça. L'odeur de la de l'amphi de 111. Hein? Tu sais que l'amphi de 111, c'est un peu un lieu mythique à l'intérieur de cette université. C'est l'amphi le plus vaste et le plus prestigieux, si tu veux, de la faculté de philosophie. C'est là où j'ai donné mes cours entre 2004 et 2008. Et c'est un amphi que, pour des raisons que je ne connais pas, a une odeur particulière. Pensando che è una cosa molto rara che a una persona sia dato di vivere questo fatto di ritornare a un certo punto in un luogo che è stato importante per lui. E quindi da questo punto di vista posso dire di essere che questo sia un momento fortunato, ecco. J'avais envie de quitter l'Italie et donc j'ai été auditionné. J'ai proposé que, au cas où j'aurais été élu, j'aurais développé ce master dans la direction de la culture visuelle. J'avais, quand j'étais tout jeune, une passion pour le cinéma qui, à un moment donné, a dû être abandonné pour la passion pour la philosophie. En Italie, ce n'était pas évident à l'époque de faire, de conjuguer la philosophie en français. Et le cinéma. Et donc, j'ai quitté le cinéma. Je ne croyais pas qu'il y aurait eu un jour la possibilité de les remettre ensemble. Et par contre, la sollicitation de certains collègues, la sollicitation de mes étudiants, la nouvelle situation que je trouvais ici à Lyon, m'ont permis de remettre ensemble ce qui semblait impossible pour moi, c'est-à-dire la passion pour le cinéma et la passion pour la philosophie. Tu le sais, il y a des chercheurs qui produisent une sorte de séparation, de distinction entre les moments de la recherche et les moments de l'enseignement, de la didactique. Comment est-ce que tu vois le rapport entre les deux sphères de ton activité? Je crois que pendant mes années milanaises, l'enseignement a été les ponts principaux, a été le lieu principal d'échange entre la philosophie et la vie. C'était le lieu où je pouvais rencontrer les questions posées par les expériences les miennes et ceux des étudiants qui étaient là pour poser ce genre de questions, pour solliciter des réflexions autour de ce genre de questions.
Et donc, c'était les lieux où j'ai rencontré, je disais, ce genre de questions qui sollicitaient la pensée. Pas seulement les miennes, mais la pensée qui se pouvait créer à l'intérieur de cette salle, dans l'échange de voix, l'échange de réflexions qu'on partageait avec les étudiants. Donc tu as enseigné et tu as appris dans cette salle. Ça, c'est une expérience très grecque, je dirais, de la philosophie. En philosopher ensemble en tant que dialogue philosophique. Oui, 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 la philosophie, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul. Je suis absolument sûr de ça. Quand même, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Même la dimension qui est fondamentale et que j'aime beaucoup de la réflexion solitaire, a du sens si elle est alimentée par des questions qui sont des questions qui viennent des rencontres avec les autres et si elle cette dimension solitaire de la recherche, si elle est une manière de renvoyer à son tour aux questions qui l'ont sollicité. Il y a toute une tradition de la philosophie française du XXe siècle qui s'intéresse à Cézanne. Merleau-Ponty, Jean-François Lyotard, Henri Maldinet et Gilles Deleuze. Merci Mauro Carbone. Merci. Avant de terminer mes études à l'Université de Bologne, je me suis dit que si donc la pensée doit chercher à penser le nouveau, de l'expérience, des expériences, peut-être l'esthétique en tant que pensée autour des arts était le domaine de la philosophie le plus adapté à recevoir cette exigence de nouveauté, parce que il avait c'était une pensée qui avait toujours affaire avec l'expérimentation des arts, la création artistique, et donc c'était une pensée qui avait toujours affaire avec les nouveautés. Et pour cette raison, j'ai pensé que parmi les différents domaines de la philosophie, peut-être l'esthétique était la plus sensible aux nouveautés. Sensible aussi parce qu'elle s'occupe de la sensibilité. Sensible aussi parce qu'elle s'occupe de la sensibilité. Je suis loin d'avoir fait le tour de ce que Mauro nous a apporté, m'apporte et m'apportera encore en termes de découverte de certains aspects de la pensée de Merleau-Ponty, de son actualité et dans des champs de connaissances qui ne sont pas forcément les plus familiers, s'agissant de la question de l'expression, des questions esthétiques. S'il y a vraiment un point sur lequel les travaux de Mauro m'ont apporté, m'apportent et continueront à m'apporter, c'est d'être sensibilisé à cette question
de l'expression, question du langage aussi. C'est pas spontanément ma première approche de Merleau-Ponty. Et en même temps, je sais que dans mes propres travaux, c'est une dimension qui manque, mais qui manquait aussi sans doute chez Merleau-Ponty. Et Mauro, sans doute, je ne sais pas s'il le réalise lui-même, mais à une manière, mais c'est ça qui fait un philosophe justement, c'est-à-dire pas simplement commenter un auteur, mais tout en le commentant, tout en réfléchissant, de le prolonger, de le compléter, de lui d'apporter davantage que ce que lui-même apportait. Both of us were the twin brothers of aesthetics in Merleau-Ponty studies. Mauro at that time in Europe, beginning to come to the U.S., myself in the U.S., who would soon be more in Europe as well. So this common discovery of our love for aesthetics, for Cézanne, for Paul Klee, this was the nature of the conversation I recall. J'ai publié deux livres parce que Milan, c'est la ville des maisons d'édition, de la plupart des maisons d'édition italiennes. C'est la ville où j'ai rencontré le patron des éditions Mimesis avec lequel j'ai fondé Chiasmi International. Chiasmi, pour toute une génération à laquelle j'appartiens, une génération de chercheurs, d'abord jeunes, ensuite un peu moins jeunes, sur Merleau-Ponty, et une génération nombreuse, il faut le dire, Chiasmi est un outil, un lieu d'expression particulièrement important. L'engagement et l'initiative aussi, qui ont été, qui sont ceux de Mauro à ce sujet, révèlent là aussi un aspect important de ce qu'il est personnellement, mais aussi dans son métier de philosophe et d'enseignant. À savoir donner la possibilité à des jeunes chercheurs, à des chercheurs qui commencent, de s'exprimer, de s'autoriser à écrire et donc de trouver une voie de reconnaissance, mais surtout d'expression, de communication et du coup à partir de là d'échanges, de rencontres avec les chercheurs de leur génération. Chiasmi International est évidemment là un outil, une réalité extrêmement généreuse et précieuse pour nous tous. Perhaps the last time to mention that we were together in the U.S. was at Philadelphia for the Society for Phenomenology, SPEP as we abbreviate it, where Mauro's book on Proust, titled An Unprecedented Deformation, 2010, SUNY Press, was selected by the SPEP organization as one of the books for a research panel to be honored at that meeting. And there was a very vigorous panel with a fellow I did not know speaking on Proust, I believe, and Benjamin, followed though by an amazing paper and discussion of Mauro's book by Len Lawler from Penn State University, who has the endowed chair at Penn State. It was a very vigorous session and a wonderful occasion, after which we had wine and dinner. Un peu de thé. Avec de plaisir, merci. Voilà. Dans La recherche du temps perdu, quand il voit la photo de sa grand-mère prise par Saint-Loup, il voit le visage altéré, légèrement altéré par le souvenir d'une syncope, d'une simécope, comme dit le directeur du Grand Hôtel.
et il voit dans son visage la promesse de sa mort. Et cette photo lui fait l'effet d'un soufflet brutal porté sur le visage de sa grand-mère. Au fond, si cette photo est difficile à regarder, c'est parce qu'elle le renseigne sur un futur qui a déjà eu lieu. Comme ça. C'est un des jumpers du 11 septembre 2001. Il y a à peu près 200 personnes qui ont comme ça sauté des tours avant qu'elles tombent. Ça, c'est la photo la plus célèbre parce que c'est une photo qui a une perfection formelle évidente. C'est une photo qui a une histoire très particulière et très emblématique. Une photo qui a été bannie, surtout aux États-Unis. Certaines images ont été bannies, d'autres images ont été reproposées. On a privilégié le spectaculaire sur le réel, vous voulez dire ? On a privilégié une manière chronologique de présenter le 11 septembre pour proposer une sorte de thérapie temporelle qui rétablit le temps chronologique. Et il y a un avant, il y a un après, il y a un avion qui entre dans l'écran, etc. Et ça, c'est une manière pour refouler justement le trauma. Oui. En disant, rassurez-vous. Il y a une succession à tout ça. Il y a une succession, voilà, voilà. De fondation. Ah, tu vois ça. Ça tu te rappelles cette chouette électronique, métallique, brute. Merci. Ça, c'est bien. C'est beau, plastiquement, c'est beau ici. Pas renoncer à goûter totalement. Mm-hmm. Je suis arrivé en France en 2009. J'avais enseigné aux États-Unis en 2005 et en 2007. Ouais. Et c'était la période, les deux périodes de New York, ouais, qui m'ont donné cette attention pour ce que les Américains appellent iconic turn, hein, le tournant iconique, mm-hmm, qui amène à cet intérêt pour les images en tant que telles, pas que les images artistiques, hein. Les images en tant que telles sont quelque chose d'important parce que il s'agit d'un symptôme de notre rapport au monde. Voilà. Et donc, cette idée élargie de l'intérêt pour les images est à la base de la culture visuelle. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'ai proposé de développer le master, l'ancien master muséologie, dans cette direction de la culture visuelle. Et petit à petit, cela a bien marché. Et maintenant, je suis en train de me rendre compte que par là, je retrouve une autre problématique merleau-pontienne, ou peut-être la même problématique sous un autre nom, c'est-à-dire la problématique de la perception. J'ai toujours compris, en quelque manière, cette
connexion entre faire de la philosophie d'un côté et manger et faire de la cuisine de l'autre côté. Et c'est grâce à Mauro que j'ai découvert ça. Il parlait des aubergines comme d'une sorte de preuve a posteriori de l'existence des dieux. Et donc il avait une interprétation philosophique de la nature et du statut des aubergines même.